Le logo. Effectivement, vous êtes bien informé. Le dossier est pendant. Et si vous avez remarqué, le RHDP a déjà perdu. Vous avez vu les dernières photos? Ils ont mis l'éléphant blanc dans la Côte d'Ivoire verte, mais sans les écritures PDCIRDR. Regardez bien. Donc ils veulent jouer subtil, mais ça ne marche pas. Parce que l'éléphant a été donné par l'État de Côte d'Ivoire au PDCIRDR. Il y a eu une délibération de l'Assemblée nationale en 1961, dont nous avons les minutes, où le commissaire du gouvernement, c'était le président Mamadou Coulibaly, et il a fait un exposé de motifs où ils ont demandé clairement que pour tout le travail que le PDCI a fait pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante, la Côte d'Ivoire offrait l'éléphant au PDCIRDR pour en faire son emblème. Voilà. Donc si quelqu'un n'était pas là en 61, qui vient d'arriver à Côte d'Ivoire, qui n'est pas au courant, il peut s'amuser. Donc dans tous les cas, c'est une question de temps. Tu vois, moi il y a un de mes hommes qui dit, ce que moi j'aime pas dans votre affaire de justice. Parce qu'avant, quand vous faites des rixes, vous vous battez dans le village, la gendarmerie vient vous prendre, on vous coffre un peu et puis on vous laisse. Mais le dossier va sur le procureur, des fois tu es là, 6 mois après, on te convoit, on dit que tu t'étais battu dans tel village. Il dit, votre jugement des blancs, des fois on dirait que c'est fini alors que c'est pas fini. Donc le dossier introduit, il va sortir, il y aura le jugement. Mais nous aussi, comme nos militants savent maintenant, c'est ça aussi la campagne, on va faire la campagne. Voilà, c'est pour ça que notre logo est expressif. Les gens verront aussi que si tu vois une Côte d'Ivoire verte à côté d'une case, il faut passer ton chemin. Donc, à nous de savoir, et puis il y a plein de logos faux là-bas maintenant. Logo UDPC, il ne doit plus exister. PDCI est parti. Voilà. Donc, tous les arbres qui donnaient l'ombre autour de la case ont été coupés. Dans la case au soleil actuellement,